Yo tout le monde, c'est Ozaru. On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur Until Dawn. Donc la dernière fois, on s'avait arrêté, je sais plus du tout. Ah si, avec Matt, c'est vrai. Donc là, ils étaient allés au... Ah, je sais plus. Ah si, c'est vrai. Josh, il est mort, c'est vrai, c'est vrai. J'en sais rien. Il y a des trucs. Une fois qu'on les a vus, bah, on peut pas les oublier. Ouais, c'est vrai, mais... Des fois, c'est quand même mieux de vérifier. Je vais les croire sur parole. Là, quand ils vont trouver le cadavre, ils vont faire une drôle de tête, je sens. Une hache. Je me sens vraiment mieux avec une hache. Oh, mais si elle est là, c'est pas normal. Oh, mais quoi? C'est fermé, Matt! Casse la porte, tu veux? Attends une minute. Il va nous entendre si on commence à tout casser. Parce que t'as une meilleure idée? Pas là, non. Si. Regarde. Quoi? Une fenêtre. Super, Matt. Je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou. Allez, sérieux. Tu passeras jamais par là, mon grand. Enfonce la porte. Ok. C'est parti. Je respire et je vais. Mais mind-toi! Ah ouais, c'est bien ça. On va pouvoir faire. Ça va être long. Ah non, ça va, c'était rapide. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le cadavre il est plus là. C'est trop... Ça vient juste de se passer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Meurs, meurs, meurs. C'est sûrement le type, celui qui a eu Chris et Ash et Josh. On doit savoir que c'est notre seule issue. Oh, dis pas ça. Regarde, le téléphérique est tout là-bas. Bah, c'est... Enfin, c'est pas si loin, si. Tu peux l'atteindre. Je suis doué, Emma. Mais pas tant que ça. Mais merci. Mais Matt, si tu peux pas sauter, comment on va faire? J'en sais rien. Il est où le téléphérique? Il est complètement bousillé. Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Ok, donc j'ai toujours la hache quand même. J'avais peur que si je... J'enfonce la porte qu'il n'y ait plus de hache. Ok. Je pense qu'on va l'entrer. Là, je crois que c'est là où il est mort. Ouais, c'est ça. Déjà que ça fonctionnait à peine avant, alors maintenant... Die. C'est charmant. C'est flippant. Ouais, y a peut-être quelque chose là. Ok. Ah, un truc à radio là, non? Et regarde! Une tour de guet. Ah non. Hé, hey, Magellan, peut-être qu'il faudrait faire marcher le téléphérique pour continuer, tu crois pas? Je sais, je crois qu'il voulait aller voir un truc radio pour prévenir. Bah, qu'il y avait un psychopathe quoi. Et là le truc là qu'il faut... Ah oui voilà là, c'était mal fait par contre là. Alors... Ok, bah fais-le. Super. Ah il faut une clé. Pas de clé, pas de téléphérique. Donc, retour à la case départ. Ok, ok. Ah, et pourquoi pas là la tour de guet, celle qui est sur la carte là. Bah, c'est peut-être une solution. Oh, peut-être qu'il y a une radio ou quelque chose, enfin ce serait logique, non? Sûrement, ouais. Matt, nous devons trouver cette radio. Il nous faut cette radio. On pourrait utiliser la radio pour appeler à l'aide. Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal. Ah, bien. Je vois qu'on apprend à jouer selon les règles. Quoi? Mais quelles règles? Règle numéro 1, Emily a toujours raison. Règle numéro 2, on se fout du reste car Emily a toujours raison. Ouais. Bah quand tu seras morte, on verra bien. J'espère que tu vas pas crever parce que je compte au moins... Ah bah non, c'est vu que Josh il est mort, j'ai pas... Non, je voulais réussir à... Attendez. À finir le jeu en les laissant tous vivants, mais... Ça va être compliqué vu que Josh est déjà mort. Et Jess aussi qui est morte. Qu'est-ce que tu fais? Je nous sors d'ici, monsieur l'intello.
Intelligent, dis donc. Allez, bouge. Putain, elle est lente là. Regarde cette beauté. Toi, tu viens avec moi. Et voilà le travail. Amène-toi. On peut carrément. Oh, j'espère qu'ils vont pas crever cette façon quand même. Eh bah si. Ça va? Si j'avais pas appuyé sur carré, ouais. Elle aurait été morte. Tu peux peut-être passer devant pour protéger. Putain la vache, elle est... Ok. Ah, je l'aime okay. Pas elle, Emily là. Ok, c'est bon. Oh, okay. Presque. Presque. Je me sens pas super bien. Regarde pas en bas. Oh. Ok. Putain de bordel de merde, on en a fini. Ouais, carrément. Ok, donc je crois que le... Comment ça s'appelle? La tour de guet. Il me semble qu'elle est à l'autre bout. Et si ça marchait pas? Quoi? Parce que j'ai regardé sur la carte, il y avait le téléphérique, donc là où on était. Pas. Et la tour de guet, elle est à l'autre bout. Du coup, ça va être vachement loin. On peut juste descendre. Descendre quoi? La montagne. Oh, arrête tes conneries. C'est quoi le problème? C'est pas comme si elle était suspendue dans les airs. Ouais, et bah ça change rien. On y voit que dalle. Hé, hey, si ça se trouve, on n'aura pas besoin de le faire. Vu que ça fait un moment, les gens, que j'ai pas fait de vidéo, je voudrais juste regarder quelque chose dans les totems. Attendez une seconde. Totem conseil ou... Ouais, j'en ai plein. Ça, je l'ai pas trouvé, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça je l'ai fait celui-là. Ouais, ok. Ensuite, totem mort. Ok, celui-là, hop. Totem danger. Ok, ça je l'ai pas encore fait. Totem chance, voilà ça. Et ça c'est Emily. Et... Je vais essayer de pas la faire crever, mais... Je l'aime pas trop du coup, si je dois, s'il y a genre un choix, je la laisserai crever, je pense. Mais on va pas se cacher dans le chalet, c'est là qu'on s'attend à nous trouver. C'est quel touche déjà pour aller plus vite? Ah oui, L1. Voilà, c'est bon. Je vois pas. Ah si, c'est bon, là c'est bon. Ouais, mais il y a les escaliers là, tu redeviens lent. Là c'est bon, on est un petit peu plus rapide là. Enfin, pas tellement. Ça sert à rien. Bon, c'est bon, pour le moment, c'est calme, on se fait pas agresser. C'est super. Ok, il y a un petit truc là. Certainement un totem. Bingo. Je crois que c'est mort celui-là, je suis pas sûr. Totem chance. Alors, c'était Chris et H. Et il y a Chris qui avait un fusil de chasse. Du coup, je pense qu'ils là dans le totem, ils ont dû voir le psychopathe ou un truc comme ça. Oh, c'est là où comment il s'appelle? Regarde bien où tu marches. Ouais, Bess et sa sœur là. Vous voyez de qui je parle? Les jumelles, elles sont mortes. Ouais, ça sert à rien. Oh, cinématique. Parfait. C'est bon, ils sont morts les deux. Ce bruit, j'en sais rien. Putain, oh la vache, des cerfs. Merde. Oh la vache, tout ce qu'il y a. Ok, donc là ils ont dû changer de personnage. Ah, ok, comment ça s'appelle? Je sais plus son prénom. Sam, voilà. Oh la vache, ça fait flipper. Eh oh. Les mecs.
faites encore? Une mauvaise blague? Ok. Oh, le psychopathe, il a déjà tué Josh. Maintenant, il va encore en tuer un. Ok, je voudrais juste regarder quelque chose parce que vu qu'il est psychopathe, je crois qu'il y a une des filles qui se fait taper. Ah, j'ai zappé un totem. Ok, dommage. Alors, prophétie des totems, c'est celui-là, non? Ah ouais, mais là, c'est pas la même. Non, là, c'est Sam et puis elle, c'était H. Du coup, non, c'est pas les mêmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez quoi, mes fringues, vraiment? Celui qui a fait ça n'aura pas de cadeau de Noël. Non, sérieux, franchement, c'est pas sympa. Pas sympa du tout. Chris? Oh non, Josh? Ils sont partis eux. Josh, il est mort. C'est quoi ça? C'est quoi toutes ces bougies? Oh la vache. Cette connerie d'horloge. Ça me fait flipper là, c'est qu'une horloge. Je me demande comment ça va se passer la fin, si je vais en avoir encore ou s'ils vont tous être morts. Ça commence vraiment à devenir nul là, d'accord? C'était très drôle, ha, de regarder Sam se balader en serviette. Mais maintenant, j'aimerais juste vraiment que ça s'arrête, ok? C'est bon pour vous? Je sais pas si c'est bien, mais je suis les ballons avec les flèches, hein. Ouais, j'ai cru voir quelque chose clignoter là. Ouais. Oh mais j'ai déjà vu ça. Est-ce que je peux récupérer mes fringues maintenant ou je suis censée passer le reste du week-end en serviette? Eh ben ce sera la serviette. Ok, si vous essayez de me faire flipper, eh ben c'est réussi. Ok, c'est une cinématique. Je croyais que c'était moi qui devais avancer. Mais vous êtes tout, putain. Wow, c'est bizarre. Oh, il est là. Hé hey, merde, quoi. C'est fini, d'accord? J'apprécie vraiment pas votre silence, bande de cons. Oh, il y a un truc qui s'allumait derrière, là. Comme Salut Samantha. Les anciennes télé là. Tu me cherchais? Je ne pense pas que tu réussisses à me trouver, Samantha. Quoi, ça? Tu verras seulement ce que je veux te montrer. Et j'ai beaucoup de choses à te montrer. Qu'est-ce qui se passe là? Ouvre les yeux. Oh la vache. C'est une vraie beauté, n'est-ce pas? Un joli petit oiseau. Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend? Crois-tu que ce soit les derniers moments de joie de cette petite créature? Pourquoi vous me montrez tout ça? Pourquoi regardes-tu? Josh! Quel effet sur ta femme? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vais te donner 10 secondes. 9. Non. 7. Pitié, non. 5. Non. Oh, il est dégueulasse. Jetez le vase. Allez, prends tout ça dans la gueule. Se cacher, sauter, sauter, dépêche, 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 allez! Ça sert à rien de se cacher là. On avance. Triangle, oh putain, tu serais tombé sinon.
En plus, t'as pas la tenue adéquate là. Courir. Je me cacherai juste après. S'il y a encore un truc. Ah, j'aurais dû me cacher. Bon bah elle est morte les amis. Oh non c'est... Oh la chance. Oh fou. Oh j'étais d'une lenteur. Ok. Oh là là. T'es de course poursuite là. C'était waouh. Se cacher. Merde. Je pense que j'ai bien fait de me cacher. Oh non. Le petit oiseau n'apprécie pas sa cage. Ah, j'ai bougé, c'est compliqué ça. Oh là là. J'espère que c'était que du somnifère. C'était stimulant, non? Bien joué. Votre partie semble se dérouler à merveille. Oui, toutes ces heures passées à découvrir l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Votre peur dévorante de la solitude, vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez tourmenter. Cela en valait-il la peine? Oh la vache, il est là. Bon bah lui aussi il est mort. Ouais déjà je serais le pauvre putain. Qu'est-ce que tu parles? Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Eh oh. Les mecs? Ah toi aussi j'ai mal joué là. Salut Samantha. Tu me cherchais? On devrait aller chercher les autres. Mike et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? On y va. Mais regarde, une tour de guet. Ah oui, avec les cerfs là. Matt, c'est quoi ça? C'est des cerfs. Ah, j'en sais rien. Six, vengeance. Matt. Plus que 4 chapitres et on a fini le jeu. Je me demande comment ça va se terminer. Calmez. Bouge pas. C'est des cerfs. Ils veulent juste nous sentir, c'est tout. Non, 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 Matt. Tu pourras te dépêcher, ce serait vraiment pas mal. Ah, il est lent. Non. Marche. Doucement. J'aime pas tuer les animaux, je le fais pas, c'est mort. Tout va bien. J'ai eu plusieurs coups papillons, les gens, je vais les regarder là.
toute façon, on est qu'à la moitié de la vidéo là. Je pense que je vais faire 40 minutes. Alors, regardons ça. Effet papillon, autodéfense. Matt a marché calmement vers la horde. Matt est sorti. Ok. J'ai eu aussi. Ok. Ouais, Sam s'est fait attraper. Là, j'ai trop mal joué. Normalement, elle est pas morte. Hein. Parce que. Il a dit que c'était du stimulant, le docteur là. Docteur Will ou un truc comme ça. Ou Hill, je sais plus. Ouais, si on arrive à avoir quelqu'un à la radio, on y arrivera. Il faut leur dire qu'on a besoin d'aide. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? On rentre au chalet et on réunit tout le monde. Oh non, pas le chalet. On pourrait rester ici. On sait jamais, au cas où quelqu'un voudrait nous contacter. Faisons d'abord marcher cette radio. Ok, je crois qu'ils sont arrivés. Ah ouais, voilà. Donc ça va, c'était assez court, sauf qu'ils se sont fait agresser par plusieurs... une horde de cerfs. Oh. Oh, je vois plus rien. Non, Sandek. Je vois pas, c'est quoi? C'est une lumière de sécurité. Un détecteur de mouvement. Ça, on s'en fout, y'a personne. Je contrôle qui, là? Ah, je contrôle M, maintenant. C'est nouveau. Ok, donc là, je crois que je peux contrôler la lumière. Parfait. Sur la lumière, ça sert à rien. Là, il y a la lumière de sécurité, du coup. C'est un petit peu inutile. Je sens tellement pas, ça. C'est vieux, il faut monter. Oh là là. Ça va s'écrouler. Je vais rien comprendre. Oh mince, je suis trompé de route. Je croyais que c'était de l'autre côté. Allez, pousse-toi, Matt. Donc les gens, normalement, je vais faire une petite vidéo de 40 minutes. Hein, parce que je pense que... il est temps de terminer le jeu maintenant. Et du coup, je pense que la semaine prochaine... le prochain let's play, je pense... Bah là, je parle déjà bientôt du futur let's play, mais il sera dans un petit moment. Donc pas tout de suite. Parce que vous verrez le let's play. Donc le jeu en question n'est pas encore sorti. Je pense que le let's play que je vais faire va vous plaire. Donc, c'est vraiment un bon jeu. Il sort bientôt. Enfin bientôt, je crois que c'est l'année prochaine. Oh, c'est quoi ces rafales de vent? Allez, on est ça sera le prochain dedans. Let's play, je pense. Aussi, oui, la prochaine vidéo que je vais sortir, pas peut-être après Until Dawn, donc peut-être, je sais pas. Je sortirai du Fishing Planet, donc c'est sur PS4, c'est un nouveau jeu de pêche qui est sorti. Donc il était déjà sur PC, j'y ai déjà joué. Donc certainement, peut-être demain il y aura une vidéo sur Fishing Planet. Je ne sais pas trop encore, je verrai. Oh, j'aurais pas fermé si j'aurais été toi. Comme ça, moi, t'as un moyen de fuir. Ouais. Ok. Alors, trouvons... Ah, c'est quoi, ça? Génial, faut de l'électricité, c'est non, ça? Bingo. Pas du... Oh, la vache. Là, 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 là. On va prendre un coup de jeu avec crever. Ah oui, il y a une radio, cool. Oh, génial! C'est bon. Bien joué. Ok. Un point pour Matt et Emily. Oh, ça marche. Ah, mais ok, mais c'est quoi ça? Ah, ok. Ok, donc il y a quoi dans ce petit casier? Oh la vache! Voilà, c'était Anaïbes. Personne t'a retrouvé. Vu ce qui se passe ce soir.
que je vais pas lire parce qu'on connaît déjà leur histoire. Putain, y a pas de réseau. La tête de Matt. Identifiez-vous, s'il vous plaît. Terminé. Oh putain, ok. Je suis. Je m'appelle Emily. Allô? On ne vous entend pas. Veuillez répéter. Terminé. Nous sommes à Blackwood Mountain, près du chalet. Et il y a un tueur qui nous pourchasse et il a déjà tué un de nos amis. N'est pas vraiment pitié de nous aider, s'il vous plaît. Le détecteur s'est déclenché. Ça doit être un de ces putains de cerfs. Oui, madame. Ne bougez pas de là où vous êtes. Nous enverrons les hélicoptères vous chercher dès que la tempête se sera calmée. Calme, elle. Oh la vache, le mec il a été rapide, la vache, sa main elle était trop. C'était bizarre, je crois que c'était même pas humain. Ok, j'en ai perdu deux. Oh non, oh non. C'est ça la mort d'Emily. Oh là 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 là. Oh, toi t'es mort cramé. J'ai un choix, je te laisse crever là. Ok, les deux sont morts. J'ai même pas eu le choix. Super, mais j'ai même pas eu le choix. Ah si, c'est un. Dépêche-toi, toi. Sans Emily, elle est morte. Même si elle est vivante, tu te casses. Tu l'auras sur la conscience. Oh, elle est là, putain. Matt, aide-moi, pitié. J'arrive. J'arrive. M, c'est plutôt instable par ici. Matt, tu dois faire quelque chose maintenant, putain. Qu'est-ce que t'attends? Je réfléchis. Je réfléchis. Arrête de réfléchir, crétin. Sors-moi de là. Substitut. Et c'est pour ça que t'aimes toujours Mike? C'est un intello! Matt! Tu. Je t'ai vu avec lui! Bordel, Matt, on faisait que parler! Et bon sang, c'est vraiment pas le moment! Alors dis-moi ce qui se passe! Rien, Matt! Putain! Non, admets-le! Je t'ai paumé! Donc vous avez baisé?
te plaît, Matt, je suis désolée. Maintenant. Vas-y, casse-toi, t'as trahi. Pitié, 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 Matt, fais quelque chose. Allez, à plus. Je vais sauter. Matt, bon sang. J'essaie juste de trouver le meilleur moyen pour... Imbécile. Tu vas me sortir de ce trou. Allez, ça c'est fait. Ah, j'ai pas eu la cinématique quand elle a cramé. Ouais. Bon, au moins, elle est morte. Je suis tranquille. Enfin, c'est un petit peu embêtant. C'est quoi ça? Mais encore? Ok. Elle était pas là? J'en sais rien, je l'ai pas vue. Elle a dû venir par ici. Je l'ai pas vue non plus. C'était quoi ça? Merde, mais qu'est-ce qui se passe par ici? Chris. Ah, quoi? Et je voulais te dire ce qui s'est passé dans l'abri. Je sais que c'est dur. Josh était ton ami. Ashley, arrête. Et je... Non, je voulais dire, enfin... Merci. Merci. M'avoir sauvé la vie. Oh bah, je voulais te tuer, moi. De rien, Ash. C'est normal. Je le referai si je devais. Ash, tu vas bien? Ouais, c'est juste. Je sais que toi et Josh étiez proches. Regarde ça. Chris, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis pas vraiment un expert, mais je dirais qu'on l'a balancé. C'est pas, on dirait, hein. Ok, ça qui se ferme tout seul. Là, on fait exactement le même chemin que ça m'a fait. Ok, super. C'est pas possible. Est-ce que j'ai vu quoi? Ça, Chris, ça! Ça veut dire quoi, ça? C'était comme une forme transparente, comme un fantôme! Mais non. Je suis sérieuse! Pourquoi tu me crois pas? J'ai dit que je l'avais vu, ça vaut vraiment rien pour toi! On a vécu un enfer ce soir, d'accord? Tu es au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Je ne crois même pas à ce que j'ai vu. Je sais pas ce que j'ai vu. Insister, j'ai vu un fantôme. Bah, moi aussi, je l'ai vu. Non, tu te trompes. Je l'ai vu et j'en suis sûre. Merde. D'accord, d'accord. Peut-être que t'as vu quelque chose. On garde notre calme. On est en train de devenir dingue ou quoi? Écoute, c'est le seul endroit où peut être Sam. Je voudrais qu'on aille chercher tous les autres et... Et si Sam a besoin de nous? Si elle a des problèmes? Oh non. On bouge. Je crois que je sais plus si Sam allait passer par là. Exactement, même chemin. Exactement. Parce que là, je me rappelle, ils ont même demandé d'appuyer sur triangle, sinon on se cassait la gueule. Dans tous les cas, elle a pris ce qu'elle devait se prendre. Encore. Ok. Oh la vache. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Oh putain, j'ai eu peur. Tu t'es cogné dessus, hein? Tu l'as touché, c'est ça? Je crois pas, je veux dire, je sais pas. Oh, une petite maison. Regarde, Chris. Là, dans les fenêtres. Voir quoi? Les meubles miniatures? Non, toute la scène avec les poupées et tout. Oh. Ouais. J'aime pas ça.
une clé si tu veux t'amuser là-dedans. Ouais, bah je vais la trouver ta clé. Oh, ça a pu devenir aussi pourri ici. Attends, qu'est-ce que le fantôme. Quoi? Tu l'as pas vu? Non. Tu regardais ton portable, abruti. Qu'est-ce que tu tweets là? Hashtag, y'a un putain de fantôme à notre house. Ash, calme-toi, ok? Il n'y a aucun fantôme ici. Fantôme de quoi? Tu flippes à cause de ce qui est arrivé à Josh. Mais t'écoute pas ce que je te dis, je l'ai vu. J'ai vu un fantôme et il ressemblait à Anna, Attends, quoi? Ou alors un peste. Sérieux, Ash? Tu crois vraiment qu'elle nous suive depuis la séance? Je sais pas, peut-être. Eh ben non, parce que les fantômes n'existent pas, ok? Ok, alors qui nous parlait à la séance, hein, je te le demande? J'en sais rien. Ok, super, super. Quoi? Bon bah, les gens, ça va bientôt faire 40 minutes. Sur ce, les gens, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Allez, ciao.